Ayo, salutations familiers, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo réaction du passage de l'artiste héritier Watanabe sur TV5. Et ben, je suis tombé sur la vidéo il y a de cela 2 jours de cela, puisque j'étais vraiment pas, alors vraiment pas connecté et je n'avais vraiment pas le temps. Et du moment où je suis tombé sur ça, je me suis dit, il va falloir que je fasse une réaction. Raison pour laquelle je vous reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous en parler et émettre mon avis tout simplement. Et ben, écoutez, Héritier Watanabe, un artiste pétri, alors pétri de talent, qui nous a sorti son album le 8 décembre dernier 2020. Bien évidemment, nous sommes en 2021 déjà. Je souhaite à l'artiste plein de succès, un avancement accru et plein plein de bonnes réalisations surtout. Et ben, écoutez, famille, son passage sur TV5 a été la meilleure, j'ai envie de dire, de tout le temps. Personnellement, j'aimerais assez que Héritier Watanabe multiplie, j'ai envie de dire, hein, ces genres de passages dans des émissions beaucoup plus classe pour mieux vendre son image, parce que la manière dont il a vendu son image en passant sur TV5, apparemment, je dirais, ça a été la seule fois où il a su vendre mieux, alors mieux son image. Pourquoi? Parce que en face d'une personne également qui réfléchit bien, en face d'une personne qui pose de belles questions, l'artiste se sent à l'aise et a même des répondre, on va dire, hein, avec beaucoup plus de précision, avec beaucoup plus d'aisance également. Personnellement, j'aimerais pas fustiger, j'ai envie de dire, hein, le chroniqueur internet congolais, soit encore, j'ai envie de dire, hein, toute personne qui s'improvise, on va dire, chroniqueur. Et que l'artiste, avec son grand cœur qu'il a, d'accorder des interviews à chacune d'entre elles, je suis à moitié, on va dire, à moitié d'accord. J'aimerais personnellement assez qu'ils prennent un très très bon exemple, peut-être sur d'autres artistes, d'autres pays ou sinon ceux-là qui vendent mieux leur image en étant en RDC. Et ben, le Spiritas, hein, si vous tomberez sur cette vidéo, sachez que j'ai aimé, j'ai vraiment aimé. Et vous avez un devoir, vous avez un devoir, votre devoir à vous, c'est de pousser votre artiste, j'ai envie de dire, hein, à aller de l'avant, à vendre mieux son image, à élever, on va dire, le niveau de sa musique et surtout sa personne, j'ai envie de dire. Toujours être correct, exact, pour essayer également de séduire un autre public, j'ai envie de dire. Déjà, Mi-Ange, Mi-Démon, c'est un album, j'ai envie de dire, hein, réussi sur tout le point de vue. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je poursuis toujours l'audition de cet album. Alors, les chansons qui sont là, c'est juste de pépites, alors de pépites. N'hésitez surtout pas à acheter l'album si ce n'est pas encore fait. Consommez la musique d'une manière normale. Congolais de partout, soutenez également votre artiste. Au jour d'aujourd'hui, la musique ne dépend plus d'un artiste ou d'un autre. Si simplement la musique est bonne, la mélodie est bonne, le texte est bon, en tout cas, je pense que tu seras soutenu par n'importe quel public. Enfin, il n'y aura pas assez de différence. Mais j'en appelle encore une fois au Spiritas, réveillez-vous, boostez votre artiste, achetez le CD et poussez l'artiste également à fréquenter le plateau digne, on va dire, de son rang, digne de sa grandeur surtout. Et ben, sur cette note, je vais devoir m'arrêter là et vous laisser. Family, on se retrouve dans une nouvelle vidéo réaction de notre artiste. Moi, c'est Vimaoité, portez-vous bien. Hey! Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, likez la vidéo, partagez-la si elle le mérite. Ciao, ciao!